Bonjour à tous. Et salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans cette petite vidéo. Ah, le mec est drogué. Voilà, désolé pour ce petit retard. On a du retard simplement parce que on a vraiment des problèmes pour avoir des consoles en stock pour gérer les flux et tout ça. Et du coup, on se retrouve à devoir streamer avec un Shogun qui est juste ici. Tac, voilà, que je vous mets à l'antenne. Voilà, et du coup, en fait, lui, malheureusement, ne gère pas très bien le son. Donc, on fait rentrer tous nos flux dans le Shogun. On a notre petit salut à tous, salut, salut tout le monde. On a nos petits adaptateurs pour le son et tout, et notre micro HF, mais malheureusement, eh bien, ça rentre pas comme il faut. Donc, tout le son va passer par cet ordinateur que vous voyez ici, qui est absolument fabuleux, extraordinaire, mais qui va être pas ouf. Voilà. Et par avance, je m'en excuse, on a passé une petite heure à essayer de trouver une solution, mais on n'a plus d'ATEM mini, d'ATEM mini pro, on n'a plus d'ATEM normaux et tout. Moi-même ce matin, tiens d'ailleurs, vu qu'on est là-dedans, moi-même ce matin, j'étais en stream pour une formation. Et je me rends compte que depuis tout ce temps où je fais des faux vrais streams, etc., je me retrouve avec un problème de batterie. Donc avant même de commencer, laissez-moi juste aller envoyer. Tiens, est-ce que Pierre-Louis, tu veux bien aller chercher dans mon bureau derrière mon sac cadeau? Et dans ce sac cadeau, il y a un chargeur. Voilà. On va charger tout ça et puis on sera bien. Qu'est-ce que ça dit au niveau du son? Hello, salut Jimmy Lafleur, salut André Cruz, Color Production, Shogun V, ouais. Ouais, c'est Shogun, ouais, c'est le dernier Shogun. Alors, il prend le multi-caméra, parce qu'il y a 4 caméras en stream, donc c'est très pratique pour pouvoir enregistrer 4 flux simultanément en HD et pour pouvoir switcher vos différents flux les uns avec les autres simplement avec votre doigt. Voilà. Donc, pour ceux qui sont habiles de leurs doigts. Retiens-toi. Pour ceux qui sont habiles de leurs doigts, bah, du coup, vous pouvez simplement pianoter sur votre écran et puis, bam, 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 sélectionner vos 4 entrées. Donc là, ici, on a 2 caméras et puis on a ici 2 autres caméras qui vont peut-être venir. En tout cas, une, c'est sûr, à savoir la Red Komodo. Ah ah! Je croyais que j'avais demandé à plus personne de m'appeler. On va même retirer les batteries du téléphone. Ça sert à rien d'appeler pendant qu'on est en live. Hein. Ça, c'est des gens qui n'ont pas YouTube, probablement. Ok. Est-ce que je peux te demander peut-être à mon ami Serge de me brancher ça? Parce que sinon, forcément. Ah, désolé. Tout s'est un petit peu improvisé. Comme je vous disais ce matin, j'étais en pleine installation et j'ai commencé un petit peu votre session en live. Du coup, je suis arrivé un petit peu au déboté, à pied levé, rapidement, pour pouvoir tout régler ici. Et voilà, ça, plus tous les retours qu'on avait ce matin, c'est compliqué. Donc là, on est pendant notre pause déj. Donc du coup, eh bien, je regarde la mouse caméra, bien sûr. Eh bien, comme on était pendant notre pause déj, maintenant, on a un petit peu de temps pour nous et pour s'amuser avec une nouvelle caméra. Alors, bam, 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 bam. Le son est OK, ça marche. OK, merci André. Je sais que le son, il n'est pas parfait. Je m'en excuse par avance. Et vraiment, je suis désolé, les amis. Normalement, on essaie quand même d'avoir un son qui soit beaucoup plus propre que ça. Hi, Clovis, salut, African Kings France. Valentin, monture RF sur le Corca, mais adaptateur RF en plus. Et oui, alors c'est ce qu'on va voir, tiens, parce que aujourd'hui, on se retrouve, mes chers amis, pour un petit unboxing. Alors, on était très, très, très pressé d'ouvrir notre caméra hier, et on s'est dit, on va quand même l'avoir aujourd'hui. Alors, qui a une Komodo? C'est toi qui a les Komodo, tu peux m'en donner une gentiment? Ou me la jeter comme tu veux. On a répété 1000 fois ça. Allez, vas-y, attends. Première cascade. La première cascade de la caméra, ça ne va pas être sur un tournage. Il y a Pierre-Louis qui a les deux. Regarde, dans quel état il est. Il est en mode pas bien, genre ne faites pas ça chez vous. Voilà, il est en mode arrêtez. Non, je vous assure, ça va archi bien. Allez, vas-y, chaud. Waouh. Merci. Il y en a un qui a compris qu'il fallait faire. Super. Alors, évidemment, si je fais ça, vous allez entendre archi plein de trucs et je m'en excuse par avance encore une fois. Bon, le son ne sera pas super pour ce live, mais on va avoir plus de matos pour streamer malheureusement aujourd'hui. Très bien, du coup, est-ce que vous voulez qu'on ouvre tout ça? Vous me dites. Ou bien on ouvre ensemble, ou simplement on parle de la caméra 15, 20, 30, 50 minutes et après seulement on l'ouvre. Pas de problème, on a plein de choses à dire sur la caméra. Donc vous me dites. Color Production, waouh, oh my god, j'ai eu très peur. Ultra Tornado,
t'en prie, tu sais que de toute manière, sinon, on utilise la caution de nos clients, on dit bah. Alors, c'est pas le vrai problème, on renonce encore. Sadio, Sadio, tu devrais t'appeler Sadik, toi. Non, mais ça va pas. Non, non, c'est bien, une fois ça va. Et puis après, je laisserai de toute manière les locataires s'amuser avec. Le plus dur, évidemment, c'est pas de la repayer, le plus dur, c'est d'en recevoir une. Parce que comme vous devez le savoir, la production a déjà commencé il y a quelques mois. Donc c'était à la sortie du confinement. Certaines personnes ont commencé à recevoir des versions colorées de la caméra. Et puis ensuite, Red a été obligé de fermer son usine, et notamment pour des raisons du Covid. Puis après, ils étaient prêts à la réouvrir, mais ce coup-ci, c'était le Mexique qui avait fermé certains endroits, dont une usine qui fournissait un composant pour la caméra. Du coup, chez Red, c'était au point mort. Et puis petit à petit, ils ont commencé à recevoir des éléments, donc ils ont commencé à en fabriquer un petit peu. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Jared a commencé à livrer, genre de la main à la main, limite, tu vois, sous le manteau, il partait le matin dans sa petite fourgonnette avec le coffre rempli de petites commodos, et il allait livrer aux quatre coins de Los Angeles. Puis petit à petit, ils ont commencé à l'envoyer un petit peu partout chez quelques influenceurs. C'est comme ça encore, mais voilà. Et puis, in fine, il y en a eu quelques-unes qui sont arrivées en Europe, dont celle-ci qu'on a réussi à obtenir grâce à TRM, qui est le distributeur français pour Red. Du coup, si vous avez envie d'acheter une Komodo, peut-être passer par eux, notamment pour tout ce qui est je sais pas, conseil, accessoirisation, etc. Ils pourront voilà, vous servir pour le mieux. Il n'y a que eux qui ont le droit d'en vendre, sinon il faut les acheter outre-Atlantique. Ce sera le même prix de toute manière. Le même prix, mais vous n'aurez pas forcément la même qualité de service. Voilà, je pense qu'on fera une petite vidéo un jour sur qu'est-ce qui vaut mieux choisir lorsqu'on veut acheter de l'équipement. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur du online ou sur du physique? Et je pense qu'il y a plein, plein, plein de cas dans lesquels il faudra faire du physique, et ce sera le sujet d'une autre vidéo. Toujours est-il, est-ce que les gens ont répondu? Comment t'as fait pour la commande, me demande African King French. Eh bien, écoute, tout simplement, il se trouve que j'ai usé mes. Ah, ça n'a pas marché le. D'accord, ok. Ah, ça marche. Écoute, il se trouve simplement que j'ai utilisé bonne partie. Non, je vais pas faire cette blague sexuelle. Voilà, non, simplement grâce à TRM qui est voilà. Fournisseurs et partenaires sur Paris et qui ont réussi, je pense, à se battre suffisamment pour qu'on puisse en avoir une. Voilà, encore une fois, un grand merci à eux avant que les autres, toutes les autres. La petite particularité de celle-là, comme vous l'aurez peut-être compris, c'est que elle ne sera pas noire comme les autres caméras RED. Elle va être d'une autre couleur. Spoiler, elle sera blanche. Qu'on appelle les Storm, on appelle ces caméras-là des Stormtroopers. Parce qu'il ressemble un petit peu à les combattants de l'Empire. Alors, ouais, African Mail. Alors, mail direct au CEO, dit Valentin. Honnêtement, le mail direct à Jared, ça passe plus trop. Je pense qu'il est mais, surchargé sur sa boîte Insta, sur sa boîte Mail. Il est c'est un truc de malade. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est bien, il crée la rareté, en fait. Les gars, ils créent la rareté. Très bien. Très bien pour eux. Très bien. Il serait quand même mieux qu'ils arrivent à fournir pour tout le monde, je pense. Surtout avec toutes les bonnes caméras qui sortent, et notamment chez Sony, la 7S. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous voulez qu'on commence par unboxer le Sony A7S ou on commence par unboxer le. Bon, tu sais quoi? Vous avez raison, c'est la Red Komodo, on fait que la Red Komodo aujourd'hui. Je suggère qu'on parle déjà de la caméra, puis de faire l'unboxing. Mais dis donc, qu'est-ce que tu es actif? Romain, y a, pour l'instant, ce n'est que les Stormtroopers. Oui, il y a eu les versions colorées et maintenant il y a les Stormtroopers. On va recevoir plein de trucs par FedEx. Génial. Si ça se trouve, c'est tous les accessoires. Ouhou. Donc oui, il y a eu des versions colorées, c'est-à-dire du bleu, du jaune, du orange, voilà, du vert même. Mais et ensuite, il y a eu les Stormtroopers qui ont été vraiment la première génération à grande échelle, on va dire. Voilà. Ce sera pas aussi grande échelle que la noire. Mais quand même beaucoup plus que la bleue. La bleue, je trouve magnifique, moi, malheureusement. Bon, c'était. Je suis arrivé trop tard, je suis après la bataille. Voilà, un peu dommage. Salut Gandulf, Gandulf le Grey. J'espère que le son, ça va toujours bien. Vous me dites si à n'importe quel moment le son décolle. Encore une fois, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour ce stream. On n'a plus rien pour streamer. Donc, du coup, voilà.
en stream avec notre pauvre petit Shogun. Alors, on va ouvrir un peu la bête. Photodrone, allez aussi pour le A7S3. Mais t'es trop gourmand, la vérité, t'es trop gourmand. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ok, on ouvre ça. Alors, honnêtement, j'ai vu quelques unboxings, évidemment, il y en a quand même 2-3 sur YouTube, donc je sais à peu près ce qu'il doit avoir à l'intérieur, mais je vais essayer de vous faire partager l'expérience, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont décidé ou ont peut-être en projet d'acheter cette caméra. Voilà, alors je tiens à vous dire déjà, première chose, quelque chose que je n'aime pas, juste pour que vous le sachiez, c'est que la boîte est très très bien conçue. Même le petit truc et tout ici comme ça. Et alors pourquoi j'aime pas, c'est pas simplement parce que j'aime pas le luxe, c'est parce que je sais que ça coûte très cher une boîte comme ça. Et que Red ne m'en fait pas cadeau. Ah, je suis obligé de la payer. Et clairement, ça va rien du tout rajouter à mon utilisation. Donc voilà, je sais qu'elle va atterrir à la poubelle probablement d'ici ce soir ou demain. Ce qui est probablement pas votre cas à vous si vous l'achetez. Vous allez probablement la garder. Vous pourrez la revendre. Hein, ce que je vous conseille de faire, hein. Revendre la caméra avec la boîte. Nous, évidemment, si on gardait les boîtes de tout ce qu'on achète, on aurait des hangars entiers. Alors, le son sature un peu, Philippe Barbossa. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Pas que ça sature de trop. Mais du coup, voilà, comme je disais, on est obligé de streamer via ce petit Shogun qui est là. Et voilà, et malheureusement, il gère pas le son comme il faut. Donc du coup, le son va pas être top. Si c'est audible, ce sera max que je pourrais faire maintenant. Bon, on y va. Allez, on ouvre. Prêt ? Tac, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Petits aimants et tout, c'est trop classe. Alors, déjà, ici, il nous explique un petit peu tout ce qu'on va trouver sur la caméra. Donc, effectivement, on va avoir une monture. On va avoir ici l'endroit où mettre les médias. Ce sont des Cifast. Sur le dessus, on a Pogopin. Alors, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que dit les Pogopin. Est-ce que on va pouvoir utiliser les écrans ou pas. Là, on a notre écran qui est touchscreen. Là, on a les sorties d'air. Très bien, le bouton Eject. Derrière, on met nos deux batteries. Et puis, c'est à petit peu près tout, quoi. On a notre entrée ici Power. Pour l'alimentation avec des accessoires ou l'alimentation sur le mur, et puis la sortie SDI, sachant que la caméra n'a pas de sortie HDMI, et là ici on a le bouton REC, et là la petite antenne qui va nous servir pour l'application Full Control, développée par Full Control, Mickaël, dont le nom m'échappe, mais il a pas un nom qui est facile à retenir, mais qui est français, donc Cocorico, bravo à lui. Là on nous dit effectivement de télécharger l'application. Vous pouvez le faire rentrer, merde, juste pour qu'il dépose le truc. Hein. On va pas le faire. On a une carte pour télécharger l'application. Paf. Et puis, vous lui dites de tout déposer, on checkera après. Voilà. Que comme ça sera fait. Et puis on va voir maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Ultra Tornado, tu veux bien la boîte. Audible, yes, t'inquiète pas. Merci Philippe. Et c'est parti. La voilà. Wow. Non mais ils ont été même jusqu'à faire des inscriptions à l'intérieur et à l'extérieur, c'est complètement ouf. Alors, la caméra, je vais la sortir après, on va soulever déjà ici, ok, on va soulever ensuite là, super. Ça c'est, waouh, alors ils envoient pas des t-shirts, ils envoient des décalcomanies, ça c'est un truc à imprimer, enfin, tu sais, au fer à repasser, quoi, sur un t-shirt pour transformer ton t-shirt en t-shirt Red. Donc ça, c'est la grande classe, évidemment, dans les soirées branchées de Saint-Trope. On a ici le Power Brick, Power Adapter, qui nous sort du 15 volts, 3 ampères, 45 watts. Ok. Un petit truc dont je suis pas forcément fan, mais je suis content qu'ils le mettent, c'est toujours des petits adaptateurs pour différentes prises de quatre coins du monde. Voilà. Alors, clairement, je m'en sers jamais pour cette caméra. Chaque fois, je trouve les bons câbles, mais ça peut servir si vous partez en voyage. Du coup, hop, ça leur évite de fournir un vrai câble avec la bonne prise. Tu vois, là, on a une prise un petit peu prise américaine, quoi. Bah, avec la prise de terre, c'est top. Et puis ici, la monture, qui est une véritable monture Canon, pour passer de la monture RF de la caméra jusqu'à la monture Canon RF. Donc c'est une monture legit. Alors comme vous pouvez voir, cette monture malheureusement n'est pas de couleur blanche.
pour aller avec la caméra, mais de couleur bah, standard, quoi, noir. Et enfin, voilà la carte. Punaise. Ah ouais, ok. Donc, avant de revenir sur la caméra, mate la qualité de cette wax. Et je sais pas combien qu'elle coûte cette boîte, mais t'as vu, il y a même le petit retour ici, là, comme ça. Franchement, c'est, je sais pas, c'est une boîte à 30 balles, quoi. 40 balles, 50, je sais même pas. Donc, je préférais ne pas payer pour ça. Alors, voilà la caméra. Première impression. Quel est le prix en euros du coup? Alors, il y a deux tarifs. Il y a le tarif pour les blanches et les colorées et les tarifs pour les noirs. Les noirs vont être autour de 6 000. Pour les blanches, je crois que c'est autour de. Je crois que la peinture peut prendre direct à la caméra. Ce qui est très gentil de leur part. Merci beaucoup. On veut la boîte. Ok, bah très bien. Écoutez, demain matin, je la mettrai devant la porte. Et puis le premier, ou je la ferai peut-être gagner à l'entrevue. Je sais pas. On trouvera quelque chose. Voilà la caméra. Première impression, déjà, effectivement, elle est costaud. Alors, elle est un peu plus grosse que les Z-Cam. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes aussi intéressé par les Z-Cam, le distributeur français, c'est le même que pour les RED, CTRN. Ces gens ont tout pris. Incroyable! Et si vous êtes intéressé par la Blackmagic 12K, normalement, il y aura que 3 revendeurs sur Paris, dont TRM, Visual et Photosynergite aussi. Allez, on tourne sur la caméra. Assez de tchic-tchac-tchac. Voilà. Donc, elle est effectivement toute petite. Ici, on a notre monture. On peut voir notre joli capteur ici. L'intérêt de cette monture, évidemment, c'est de pouvoir être compatible avec pas mal d'autres montures. Pouvoir mettre beaucoup d'adaptateurs et d'avoir plein d'objectifs compatibles. Ici, on a une évacuation d'air. Là, on a... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a du plastique, ça. Ouais. Voilà. Hop. On a ici, du coup, pour les cartes si fast, une entrée et une sortie audio via du jack 3.5. Derrière, ici, donc, on a la prise externe qui permet à la caméra de pouvoir être contrôlée par un moniteur. Alors, pareil. On aurait voulu utiliser, on a des moniteurs compatibles de chez Small HD qui peuvent prendre le contrôle de la caméra pour rentrer dans les réglages, changer les ISO, changer tout ça et tout. Malheureusement, tout est sorti. Donc, on en a plus sous la main. Mais sinon, c'est via cette prise-là que la magie opère et qui vous permet de pouvoir naviguer dans la caméra. Ensuite, on a la sortie ASDI dont je vous avais parlé et l'entrée DC in. La petite antenne qui va vous donner du coup une bonne portée pour l'application. Sachant que l'application sert à la fois pour contrôler la caméra et également en retour vidéo. Il y a l'image qui passe par là, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, sur le dessus, on va avoir du coup un joli petit écran qu'on va allumer tout à l'heure, on va voir un petit peu ce que la caméra a dans le ventre. On a la navigation des menus via les boutons, et ici, on a notre prise Pogo, et on va voir, j'ai pas l'impression que ce soit compatible avec les écrans RED, on va voir. On fait ça? On retire ça? Oh, ça perd les poupettes. Ça fait toujours son petit effet. En dessous, deux pas de vis. Très bien, ça évite à la caméra de tourner ou de glisser quand elle se retrouve sur des semelles. Juste pour mettre en perspective un petit peu la taille de cette caméra, on va sortir une Scarlett qui est, on va dire, le modèle précédent de la caméra RED qui était marché. Voilà, qui est légèrement plus fine qu'une DSM-C2. Comme on peut voir, malgré le fait qu'ici, on a quand même une petite semelle, la différence est vraiment de taille. Si je peux dire. Voilà. Est beaucoup, beaucoup plus petite et légère. Celle-là est beaucoup plus lourde. Alors, pour ceux qui se demandent si vraiment il y a un intérêt. 7200 euros hors taxe, ok, pour les comme ça, ok. Il y a un intérêt de garder la Raven. La Raven n'est pas morte, vraiment. Elle utilise un capteur Dragon. Ce capteur Dragon, il est toujours d'actualité. Il est toujours proposé chez Red, d'ailleurs, avec la Dragon X, 6K. Lui, ce capteur-là, va vous permettre de pouvoir monter en 4K à 120 FPS. Sur les caractéristiques de celle-ci, on peut faire en 6K du 30 FPS. Voilà, et encore, c'est un petit peu triché. Donc, on va plutôt faire du 25 avec elle en full def. Et après, quand on va tomber en 4K, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on tombe à 50 FPS. Donc, en termes de frame rate,
La Raven est toujours d'actualité, largement. Ce qui fait que si vous envisagez de prendre une caméra, vous ne jetez pas forcément là-dessus. Vous pouvez peut-être éventuellement récupérer une bonne petite Raven en occasion à un prix un peu sympathique. Un truc que je voulais essayer, avant toute chose, voilà, c'était ça. Alors, ça c'est l'écran RED, c'est les 4,7 pouces, c'est le plus petit, standard, tout mignon, etc. Et alors de base, on peut voir que en fait, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être très compatible. Je sais pas si vous voyez bien, si. Mais du coup, on a trois rangées de picots ici, on a deux rangées là. Ici, il y a un petit contour qui ressort. À mon avis, on pourra pas le mettre. Je déteste avoir raison dans ces cas-là, mais effectivement, on ne peut pas le mettre. Est-ce qu'un Atomos Inferno serait une alternative pour compléter le moniteur LCD interne ou une solution d'enregistrement externe? Alors, oui et non. Oui et non. Oui, tu peux enregistrer sur un Atomos, mais tu vas uniquement sortir de la Full HD et tu vas enregistrer uniquement en ProRes. Voilà, tu ne pourras pas avoir des Pro, tu ne pourras pas avoir des petites vitesses et tu ne pourras pas avoir du 4K ou même du 6K. Donc, oui, mais non. La caméra est faite pour enregistrer en interne. Contrairement à, par exemple, des caméras comme les Zcam qui t'offrent même maintenant de pouvoir faire du ProRes via des Ninja 5. Mais là, il vaut mieux enregistrer en interne. La caméra est prévue pour. Dommage pour la monture Canon RF et la monture Nikon Z aurait été plus judicieuse car c'est la monture le plus faible tirage qui aurait pu accepter plus d'adaptateurs. Ouais, j'ai un petit peu la mongole quand je lis, mais j'ai pas trop de lunettes, alors j'ai du mal à vous lire. Oui, Alexandre, oui et non. En même temps, sache que les optiques les plus répandues sur le marché, ce sont clairement les optiques Canon EF. Ce qui veut dire que si jamais tu as des velléités d'installer de l'autofocus sur ta caméra, il vaut mieux te mettre bien avec Canon et proposer du Canon en natif. Et après du coup, pouvoir être compatible avec la plupart des Canon. Alors, bah ça va être l'heure de l'allumer peut-être, non? On va mettre deux batteries, on va mettre une optique dessus, et puis on va l'allumer. Voilà. Deux batteries. Donc ce sont des batteries, alors j'espère que ce sont les bonnes qu'on a. Yes, parfait. Donc, les batteries, ce sont des Canon BP975. On les a presque chargées à full. Voilà, on les a reçues ce matin. Donc, voilà, putain, la caméra est quand même petite avec ça, quoi. Chacune des batteries, du coup, sort du 14 volts. Et là, ça envoie du bois, quoi. Eject. C'est ça, je dis pas de bêtises. Ah non, 7,4 volts. Ok, donc ça envoie autant que des NPF. Et c'est là où peut-être ça aurait été judicieux d'avoir plutôt des NPF qui sortent du 7,4 volts. Il t'en faut deux pour sortir du 14,8, du coup, l'équivalent d'une Velox. Ça aurait été peut-être mieux des NPF parce qu'on en trouve plein et qu'elles ne coûtent pas trop cher. En même temps, après, ça a peut-être été la volonté de Red, j'en sais rien, hein, mais de se mettre bien avec Canon, tu vois, d'avoir les montures et devant derrière. Très bien, une fois que ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est d'avoir une petite optique. Si quelqu'un aurait trouvé par hasard, quelque part, genre un petit 18-35. Ah, super, Serge, ne me la lance pas. Non. Ok, allez, vas-y, on va mettre le petit objectif tranquille. Donc pour ça, évidemment, l'adaptateur. Voilà, donc tu as du 40 en 6K, merci, 40 FPS en 6K, full sensor. Mais là, on va voir tout de suite si le fait d'être en widescreen va nous permettre de pouvoir débloquer le 50. Je crois que oui, du 48 peut-être. C'est la compte, c'est ça. Hein. Voilà la caméra, elle est quand même pas très très grande, hein, vraiment. Le bouton on-off, une première chez Red, c'est un interrupteur. Voilà, normalement chez Red, c'est un bouton. Interrupteur. J'espère que vous voyez tous bien ce qui se passe. Bien sûr, on peut mettre du PL. Alors, warning, bêta. Effectivement, c'est toujours la bêta version du firmware. Caméra s'initialise. J'aime bien le petit look qu'ils ont donné. C'est un look très sympathique. Et ça y est, la caméra est allumée. Alors, Software License Agreement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pas construire d'armes nucléaires avec, pas de utiliser pour faire de la vente de drogue. D'accord, ok, très bien. Allez, I agree.
Ah putain, ils ont dit pas de vente de drogue. Ok, bon, tant à. Et ben voilà, elle est là. Donc on a notre écran, voilà ce qu'on filme qui va se trouver du coup ici. Et puis partout en dessous et au-dessus, on a tout plein d'informations, ce qui fait que du coup notre écran ben, est moins grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Sachant qu'on a encore des petites bandes noires à gauche et à droite. Donc l'utilisation d'un écran supplémentaire serait le bienvenu. Alors, tu veux faire le tour par ici, Pierre? Avant d'essayer d'équiper un petit peu la caméra, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les menus. Si tu peux zoomer et venir très proche, voilà. Pour qu'on puisse bien voir sur l'écran que tout le monde. Tu peux venir plus proche encore? Attends, ouais, un peu moins proche. Sinon, on va mettre un peu de déo. Non, je plaisante, je plaisante. Oh le bâtard! Ah, ça chambre. Ok. Du coup, on retrouve ici en dessous nos petites indications dont on avait l'habitude sur les raids traditionnels, à l'exception de la résolution. Je ne trouve pas de bouton de résolution. Donc, on a ici nos framerates. Je suppose que si on appuie dessus, bien fort. Putain, ils n'ont pas amélioré ça, quoi. Donc, c'est marrant. Framerate, on a 23,98 ou 39,96. On n'a pas de 25. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir débloquer le 25 quelque part dans les menus. Okay, parce que pour moi, il n'est pas en pâle. Les ISO, on descend 250 et on monte jusqu'à wow, 12 800. De base, il était à 800, ce qui est la valeur nominale du capteur. Évidemment, on contrôle l'iris. Pas de souci. Voilà, on va se mettre à 8. On va dire 2,8 parce qu'on était. Voilà, de 2, 2, 5, 2, 8. Ok. Et après le shutter angle. Alors, je vous invite à regarder la vidéo, tiens, que je mettrai peut-être en description sur le shutter angle et qu'est-ce que le shutter angle et pourquoi c'est mieux d'utiliser du shutter angle la plupart du temps plutôt que d'utiliser du shutter speed. Voilà, on a fait une vidéo qui explique le shutter angle, qui est une notion plutôt de caméra cinéma. Et après ici, on a la balance des blancs. Alors un truc déjà que je peux remarquer direct, c'est que vraiment le tactile, il est aussi mauvais que sur l'écran 4,7 pouces. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On arrive quand même maintenant à faire des écrans, même de téléphone à 30 balles, qui sont beaucoup plus réactifs que ça. Alors, est-ce que c'est juste un problème de mise à jour? Est-ce que c'est la dalle qui pose problème? Je sais pas, mais j'aurais préféré avoir un écran qui soit un peu plus réactif. Alors, Cam A, qu'est-ce qui se passe? No media attached. Ah, ok, d'accord. Donc là, ça fait que. Ah! Press to record. Ok, d'accord. Donc ici, on appuie et ça lance le record, de la même manière qu'on pourrait appuyer sur le bouton là pour lancer le rec. Là-dedans, il se passe rien. Là-dedans, c'est nos petites indications pour le son, pour l'histogramme, tout ça, qui est plutôt utile d'ailleurs, l'histo. Après, raid, si on appuie sur le bouton raid, on rentre dans les menus. Voilà. Alors, je regarde vos messages. Okay. Ouais, l'application full control pour tout contrôler. Ouais, c'est ça, tout à fait, Karim. Yes, salut Karim d'ailleurs. Yo, bien. Image lutte ici, donc c'est peut-être là qu'on va pouvoir. Non, là ici on peut pas changer. Tac, 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 tac. On peut choisir dans color space. Donc, hop. Idéalement, vous mettez plutôt en red, white, gamut, RGB. Et on va rester en X709. On parlera. Ben non, on en a parlé d'un espace de couleur. Et là, je suis en train de tourner la vidéo sur les gammas. Donc, voilà, on parlera du coup. Des gammas, et là j'ai pas l'impression qu'on peut se mettre. Non. Ok, d'accord. Output tone mat, low contrast, hein. Highlight roll off, soft, ouais, ça aussi c'est une option de gamma. Display preset, SDR, HDR, HLG, waouh, cool, il y a trop de trucs quoi. 3D lutte, je suppose que c'est là où tu vas pouvoir peut-être rentrer des luttes. On media, yes, c'est ça, waouh, trop bien, je sors de là. Dans la caméra, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien de prévu pour le moment, donc du coup, il faut les rentrer en fait. Hop, je sors tout ça, il n'y a rien d'autre. Exposure adjust, non. Project settings, est-ce que c'est là qu'on va pouvoir se mettre? Non, voilà, project time base, super. Donc c'est là qu'on va pouvoir se mettre en 25. C'est trop cool. Le file format, donc il fait du R3D, hein. C'est le R3D, c'est le RAW de RAID, où on peut rentrer sinon dans du ProRes. D'ailleurs, tiens, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il nous propose en ProRes. Non, non, vas-y, il faut qu'on redémarre, je vous raconterai après. Donc, on va rester en R3D. Donc, on est en 6K, 17 neuvième, c'est le 6K
DCI. Nous, ce qui nous intéressera peut-être plus, c'est le 16/9e. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve le plus pertinent. Et après, ici, on a la quality. Alors, faut savoir que chez Red, là, dans la qualité, ils ont fait un petit changement par rapport à leurs autres caméras. On ne peut pas retrouver du 8 pour 1, 3 pour 1, 10 pour 1, etc. On retrouve des valeurs de quality et normalement, il y en a 3. Il y a LQ, MQ, HQ. LQ pour low quality, MQ medium et H pour high. Et en fait, ça donne des valeurs, si je ne dis pas de bêtises, ça nous fait du 3 pour 1, 5 pour 1, 8 pour 1. Quelque chose comme ça. À vérifier pour être sûr que je ne dis pas de bêtises. Mais c'est ça. Un 12 pour 1? Ah, le lot, c'est 12 pour 1, tu crois? Ok, bon. Si vous avez l'information, dites-le nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, nous, la caméra qu'on a reçue, c'est l'ancien firmware. Il y a un nouveau firmware qui est sorti et qui a libéré le LowQ. Donc, pour le moment, il va falloir qu'on mette la caméra à jour. Très bien. Après, ah, bah, ProRes Resolution, ici, pour être. Ouais, les bâtards, ils peuvent pas. Ok. Et après, Project Backed In Setting, donc probablement l'espace de couleur d'enregistrement et tout ça. Ok, on revient. Alors, vraiment le tactile, je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas. Tu vois, il est pas ouf, hein. Pas mirifique. Ok, après on a l'audio et le TC, super, le monitoring. Le LCD, ça va être lui. Le SDI, c'est la sortie derrière. Donc, on va avoir peut-être quelques options à activer. Qu'est-ce qui peut nous sortir? Ah, il peut nous sortir du 4K DCI. Waouh! Ok, et eh ben écoute, oublie ce que je t'ai dit tout à l'heure pour la sortie enregistrement sur un Shogun. Tu peux faire du 4K dessus. Longtemps mieux, mais ce sera forcément du ProRes. Je pense pas que cette cam sorte dur. Mais c'est bien s'ils peuvent sortir du 4K. C'est archi cool. C'est waouh! Ok, je suis pas du tout habitué. Quoi. La fréquence de sortie, est-ce que tu mets ta lutte ou pas? Est-ce que tu mets tes guides, tes outils, etc. Live stream, waouh, trop bien. Enable. Qu'est-ce que c'est le délire? Alors écoute, ça c'est un truc que pour le coup je me suis pas du tout renseigné dessus. Mais on aurait pu faire un stream avec elle là. On aurait pu faire un unboxing face à un miroir. Une explication de la caméra face à un miroir. C'est trop bien. Donc, ouais, bizarre du 8 pour 1. Ouais, mais je crois que c'est un truc, c'est un format vraiment, vraiment chelou. Pour moi, il me semble que c'est 8 pour 1. Mais ça doit se trouver si pas un parmi vous est devant son ordinateur. Et qui peut chercher à quoi ça correspond, le low, le medium et le high, et le mettre dans les commentaires, ce serait trop bien. Toi, Karine, tu restes sur la DSM-C2, toi. Mais c'est quoi, t'es Raven ou t'es passé sur Scarlett? Karim, je vous encourage à aller voir un petit peu son travail sur ce qu'il fait, notamment sur le repère des filmmakers sur Facebook. Il met pas mal de trucs et il partage beaucoup d'infos, notamment sur Resolve et puis sur des petites configs sympas de tournage. Et voilà, et il est ambassadeur pour du son. Enfin, il fait mille trucs, ce gars. Donc, allez le checker. Ok, dans les outils, qu'est-ce qu'il nous propose en outils? False color picking, log view zebra. Ouais, mais attends, on n'a pas de. What? On n'a pas de waveform? Ok. Bon, on a un petit histogramme sur la page principale, mais ok, bon, c'est un peu dommage de ne pas sortir le waveform. Bon, du coup, il faudra l'avoir sur les écrans. Ça, on est toujours dans le menu monitoring. Hein. Ensuite, ici, on a les médias. Voilà, donc eject, média info. Donc là, évidemment, on n'en a aucun. Donc. Bad et Secure Format. Alors à savoir que pour cette caméra-là, donc on utilise de la CFast traditionnelle, hein, pas de l'Express comme la 7S3, c'est de la normale, mais Red a sorti des versions de cartes pour leur caméra qui, d'après mes infos, seraient fabriquées par Angelbird. Angelbird qui vend aussi des cartes à mémoire de haute qualité. DSD, puis enfin tout type de carte d'ailleurs. Alors, autofocus, c'est en bêta. Et ben voilà, ça m'intéresse. Ok, cool. Alors, project settings, auto monitoring, media communication. Attends, ah, je suis revenu à un truc à la con là. Ah non, l'autofocus c'est en bêta, j'ai cliqué dessus, il m'a ressorti du bazar. Ah, le fourbe. Si je me mets en AF, tu crois que ça peut le faire? Enable. Voilà. Le mode single, non, continuous, c'est le mieux. Size, small center, ouais, position center, très bien. Start AF, ok. Cool. Écoutez, si vous voulez voir vite fait rapidement, si
ce que dit ça. Ah non, vous savez quoi, on va pas le voir tout de suite, on va brancher un écran, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, en tout cas, il est activé. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre truc? Application, System Settings, Maintenance. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être voilà, calibration. Alors, faites bien vos calibrations, notamment de mémoire, ce serait mieux. Voilà. Raven. Tac, 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 tac. Ok, ok. Bon, voilà, factory reset, tout ça, on s'en moque. Allez, vas-y, on sort de tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on essaye vite fait de l'accessoiriser. On va lui mettre deux trucs, genre une poignée et un écran. Et puis après, je prendrai toutes vos questions et on va essayer des trucs sympas. Vous allez voir. En poignée, j'avais pensé mettre ça. Alors, il y a GDU qui sortent des poignées qui sont relativement courtes, beaucoup plus petites que ça, parce qu'elle est beaucoup trop haute. Donc probablement que quand ce sera arrivé en France, on prendra des poignées GDU. Sur le dessus ici, on va simplement venir se mettre un petit rail NATO de cette bonne marque Ami, qui on s'entend très bien, Smollerig, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est des trucs qu'on avait, nous, déjà de base pour nos autres caméras. Ce qui va permettre de pouvoir glisser ici, si on veut, cette petite poignée, dans ce sens-là. Bon. Tac, tac. Enfin, dans ce sens-là. Hop, même si le bouton, là, cache un petit peu la vision du bazar. Donc on va se faire ça ici. Et puis, je vais vous montrer un truc que moi j'aime beaucoup de Smollerig. Vraiment, c'est pas que pour ça, c'est pour plein de trucs. C'est cet accessoire-là. Cet accessoire, en fait, il fonctionne sur le ordinateur. Pour écran, on va se prendre tout bêtement. Tiens. Alors, dans l'attente de recevoir des Small HD compatibles et ou d'utiliser même ceux tout simplement qu'on a en stock des 6.7. Voilà, on utilise un petit focus 5 pouces. Donc, alors, le truc qui est plutôt cool, voilà, ça va faire beaucoup, beaucoup de bruit. Hein. Encore une fois, je suis navré d'utiliser le micro de l'ordinateur et de pas avoir de système qui me permet de pouvoir rentrer. Voilà, donc du coup le truc qui est plutôt sympa avec cette poignée se met sur un rail NATO et sur le dessus ici on a un rail NATO. Alors on n'a rien entendu, on n'entend rien, le son est pas top. Ouais, je sais, je suis désolé. En fait, au moment où je fais du bruit sur le bureau, et ben il y a tous les préambles qui descendent à mort sur l'ordi et on m'entend plus et je suis navré. Navré, comme je disais, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début, tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on peut avoir, des ATEM mini pro, des ATEM télévision studio, tout ce qui peut faire du live est sorti, et notamment sur des prestats aussi à nous, et du coup, en fait, on n'a plus rien pour faire du live, à part un mini recorder, un pauvre petit mini recorder, et on utilise un Shogun 7 pouces, dégueulasse, pour faire le switch, et du coup, ben, malheureusement, on n'a pas d'entrée son. Et le Shogun ne gère pas correctement les entrées son pour faire du live. Donc, du coup, on est obligé de prendre le son de l'ordi. Et je suis navré. Et je sais à quel point le son est important. Mais là, malheureusement, on ne pouvait pas faire autrement. Sinon, vous n'êtes pas de live avec vous. Quoi. On fait un live qu'entre nous. À 4, ici. Ça aurait été moins fun. Bref. Du coup, je disais, cette poignée a un rail NATO déjà sur elle. Donc du coup, on peut fixer des accessoires sur ce rail NATO. Et l'avantage de cette monture que je vous ai montrée, tac, c'est que bah du coup, l'écran maintenant qui est monté, eh ben il peut être incliné, ce qui peut être plutôt pas mal pour filmer un peu bas quoi. Voilà, en hauteur, tac, ils vont rester. Donc moi j'aime beaucoup cette monture. C'est quoi comme moniteur? C'est un Focus 5 pouces OLED SDI. Voilà. On va mettre dessus un petit câble. Alors il y a plusieurs options pour les câbles SDI. On peut partir sur du très fin comme ça, très léger, super pour les gimbals, ou alors partir sur peut-être, j'en avais sorti un, torsadé. Bon, au vide.
Il y a voilà, des qui sont torsadés. Moi j'aime bien cela, je trouve qu'ils peuvent se foutre un petit peu partout. Là où le torsadé, souvent, peut être amené à faire des rubiqués devant votre moniteur. Dans ce sens-là, comme ça, tac, tac. Et on va se le mettre ici derrière. Hop, une batterie. Pareil, j'ai l'impression que tout le monde m'a volé tout ce que j'avais préparé, dis donc. Et là, ce que je vous propose, c'est de repasser avec moi derrière le bureau et qu'on voit un petit peu ce qu'on voit sur l'écran. Et qu'on s'amuse un petit peu peut-être avec l'autofocus. Donc, est-ce que... Waouh, tu peux faire ton point là où tu mets ton... Ferme bien ton diaph, peut-être si tu peux, je sais pas. On va se mettre au 35. On est à 1,8. Voilà, cool. Donc, la mise au point. Waouh, alors là, il cherche. Là, il n'est pas sûr de lui, là. Oh, ah non, c'est pas ouf, hein. C'est quoi, on fera des tests après la mise à jour. Latence sur le LCD? Non, je ne crois pas. On va tester. Mais je ne crois pas. Attends. Voilà, on m'a envoyé cette image-là de ce qui nous attend au stock. Comme vous pouvez voir ici, on a un appuiture. Donc une grosse boîte d'appuiture, je vous laisse deviner ce que c'est. Et au-dessus, on a une boîte orange et noire. C'est un mystère pour savoir ce que c'est, du coup. C'est n'importe quoi. Cette semaine va être du grand n'importe quoi. Alors si on regarde bien le moniteur ici, vous pouvez vous rendre compte, vas-y rapproche-toi bien bien mon ami Pierre, qu'on a la caméra qui pompe de ouf. Mais même tu sais quoi, tu sais ce qu'on peut faire? On va faire un truc de ouf. Regarde. Tu vois ce câble? Dans tes fesses. Ah, faire moins fort, faire moins fort. Et on va directement. Se le mettre ici. Et là, mes amis, devant mes yeux et vos yeux ébahis, le live de la caméra. Et c'est là où vous allez pouvoir voir du coup qu'est-ce que ça dit la mise au point. Donc si j'appuie sur un petit bouton, oups, ici, waouh! J'ai essayé de faire le point, tiens, sur le derrière. Donc là, je suis en mode auto. J'ai un petit carré vert sur mon écran à moi, que je ne peux pas vous sortir, mais il est au centre de l'image. Et si ce petit carré vert, je le déplace par exemple vers la boîte blanche, ploup. Alors sur mon écran, j'ai du mal à me rendre compte, tiens, sur ça, j'ai du mal à me rendre compte si ça saccade ou pas. Je vous laisse me dire. Donc HQ c'est 3 pour 1, MQ 8 pour 1, et donc du coup c'est peut-être effectivement du 12 pour 1 pour le dernier. Qu'est-ce que vous pensez vous de cet autofocus là, vous qui avez un grand écran, enfin en tout cas plus grand que moi, parce que moi du coup j'ai plus mon petit moniteur. Est-ce que éventuellement Serge tu aurais un 7 pouces avec une entrée et une sortie SDI, s'il te plaît, derrière. Donc là je suis en mode continue. Donc partout où je pointe le centre de mon image, waouh, des fois il galère. Ah mais là, il galère. Oh, il galère. Ouais, bah, ça a l'air plutôt smooth, mais là, il galère de ouf. Donc, je vais retaper avec mon doigt. Et là où je tape avec mon doigt, pouf, ça fait la netteté. Donc, là, on est en mode continue. Ça veut dire que, bah, il va faire le point en permanence sur le petit carré vert. Et sinon, on avait un autre mode. Je ne sais pas si je peux, dans mon monitoring ici... Attendez, je rentre dans le menu. Je rentre dans mes petits menus, SDI, résolution, look, tools, guide. Ouais, je peux pas sortir sur le SDI. Je peux pas sortir malheureusement mon menu. Ouais, je peux pas sortir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, du coup, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez vu le truc en grand? Est-ce que ça vous semble utilisable ou pas? Voilà, je vous laisse me répondre. Avec cet écran, moi aussi en retour, parce que sinon je vois tout via mon petit écran, mon petit moniteur. Continue la cata, mais en single c'est bien. Ok, merci Clément.
puisque tout le monde est c'était réactif jusqu'à maintenant. Ok. Depuis que tu as allumé la cam, est-ce qu'elle chauffe plutôt vite? Non, honnêtement, non. Non, non. J'ai pas du tout de la sensation de chaleur. Rapidement, quand je pense un peu à ta sœur, maintenant, j'ai pas de... Eh, mais à un moment donné, il faut se calmer là. Hein. Ok, direct in. Et... Et de la baise. Tu me prends un plus long câble SDI si tu as un câble. Je touille plus long que ça. Et je le rallume. Une boîte où tous les câbles qui rentrent au tournage sont stockés. Avant d'être vérifié l'après-midi pour pouvoir ressortir s'ils sont, sont pas bons. On ne les fait pas ressortir. On les répare. En tout cas, ils sont vérifiés tous les jours quasiment. Très bien. Hop. Hop. Bien. Bon. Cool. Ah, là, j'ai un écran. Ah, voilà. Là, j'ai un écran, donc du coup, tac, je vous le remets, on va regarder ça ensemble. Donc là, si j'appuie avec mon doigt sur le centre de l'image, c'est le point. Et punaise, et ouais, quand même, donc là, c'est, ouais, on peut se rendre compte d'un truc, c'est que mine de rien, tiens, on va les taper là-haut. Ouais, mine de rien, en fait, tu sens que la dichotomie de recherche, enfin, la norme de recherche fait que... Sur tous les optiques EF, c'est la même chose. Tu vois, il n'y a pas de mise au point smooth, en fait, avec ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il n'y a vraiment que Canon qui a réussi à avoir sur, via leur dual pixel et tout ça, et dans les choux total, ok. Il n'y a que Canon qui a réussi vraiment avec leur boîtier et leur caméra à faire ça. Bon, voilà, c'est pas archi-utilisable. De toute manière, ça reste pas une caméra avec laquelle tu as fait ce point automatique. C'est cool qu'ils le mettent. C'est plutôt une caméra ciné dans laquelle on va plutôt utiliser avec cette caméra-là un petit moteur de point ou éventuellement des optiques ciné. Donc, on est en 2020, c'est bien qu'ils aient implémenté ça. C'est pas forcément archi utilisable. Si tu fais des interviews ou si vous faites des interviews, pardon, je sais pas pourquoi je vous tutoie. C'est pas comme si on allait coucher ensemble. Mais si vous faites des interviews, forcément, ça peut être intéressant de pouvoir être sûr d'avoir le point. Dans ces cas-là, vous mettez pas en mise au point automatique, continue, mais en plutôt en single shoot. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, l'autofocus bêta, je vais me mettre en mode pas continuous, mais en mode single. Voilà. C'est bon. Cool. Qu'est-ce que vous voulez me poser comme question? Salut Adelin, une bise depuis Lyon, Clovis. Sais-tu s'ils ont mage le firmware car il semblerait que le stockage nécessaire soit énorme par rapport à du vrai redcode? Alors, non, en fait, leur redcode, c'est leur vrai redcode, mais ils ont simplement décidé d'en implémenter que 3. Nous, on a le firmware, on va dire l'avant-dernier ou l'antépénultième. Donc, dessus, on a que le MQ et le HQ. Il y a le LowQ qui est sorti, enfin le LQ qui est sorti dans le dernier firmware, qui permet de faire de moins bonnes résolutions, enfin des plus hauts taux de compression, excusez-moi. Ça veut dire que là, pour le moment, avec le MQ, Medium, on peut faire du 8 pour 1, ce qui correspond littéralement, normalement, vu qu'ils n'ont pas développé un nouveau codec, à du 8 pour 1 par rapport aux autres caméras. Moi qui ai décidé de brider les débits ou de les augmenter, mais je ne pense pas. Par contre, le HQ, donc du coup, il sera en 3 pour 1, d'après les informations que nous a gentiment donné, je ne sais pas qui, est-ce que c'était Clément, je ne sais plus. Et le 3 pour 1, effectivement, c'est très, 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 très lourd. Mais avec le LQ, et je ne sais pas si quelqu'un a la réponse parmi vous sur le chat, mais avec le LQ, normalement, on devrait être en 12 pour 1. Et du coup, en 12 pour 1, forcément, bah là, tu as le temps de voir venir, quoi. Mais tu auras toujours, avec ce qu'ils nous ont implémenté, que 3 niveaux de compression. LQ, MQ et HQ. Voilà. Mais non, ça sera du redcode, du vrai redcode normal, normalement. Si tu choisis du 12 pour 1 pour une cam 6K, ben, tu auras la même chose que du LQ avec la Komodo en 6K. Il y a
Des infos sur le black shading. Bah, je pense après que le black shading fonctionne exactement comme pour les autres caméras. Le black shading, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on ne va pas en lancer hein, parce que ça prend un petit peu de temps. Mais le black shading, en fait, c'est bon, pas la balance des noirs, mais c'est ce qui permet à la caméra de pouvoir remapper intégralement son capteur pour pouvoir avoir des images qui sont moins bruitées et des noirs qui soient moins bruités. Donc c'est important de faire son black shading régulièrement, c'est pas obligé de le faire. Pas tous les tournages, mais régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, quand vous venez prendre une caméra en test, vous refaites un petit coup de black shading à différents framerates, voilà, parce que ça joue, différents ISO, parce que ça joue aussi sur black shading, c'est un remappage du capteur. Le black shading, j'ai vu l'option black shading en tout cas Gandalf dedans, et je ne saurais pas te dire combien de temps est-ce que ça prend, mais bon, ça prend quand même un peu de temps, hein, ça prend 5-10 minutes. Les dragons, ça pourrait monter à 20 minutes, je sais pas. En tout cas, ça se fait largement avant le tournage et on enregistre plusieurs black shading différents en fonction des différents frameworks qu'on va utiliser et des résolutions et des ISO de manière à voir au moment du tournage, pouvoir si on décide de faire de la vitesse, pouvoir directement aller chercher le bon black shading. Alors, en HQ 30 minutes sur 512, MQ 50 minutes. Merci Valentin. Je pensais pas que c'était ça. Mais génial s'il correspond en 8 pour 1. Ouais, bah oui, Adelin, effectivement. Du coup, le 12 pour 1, 12 pour 1 serait pas mal parce que on pourrait l'utiliser un petit peu pour tout. En fait, ce serait vraiment un gros pendant au Blackmagic RAW qui est vraiment bien léger. C'est un peu douteux d'ailleurs, mais bon. R5 à 7S3 ou Komodo? La question à 1 milliard d'euros. Alors, François-Xavier, je peux te répondre à cette question, mais viens d'abord déposer la petite mallette avec le 1 milliard d'euros, et après, promis, je te réponds à cette question. Voilà. Bon, et blague à part, j'ai envie de te dire, peu importe vraiment ton métier. Enfin, ça. Ce qui compte, c'est ton utilisation. Qu'est-ce que tu vas en faire? Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise caméra. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise caméra. Je pense que l'univers des caméras est fait de situations et de rencontres et de tout ça. Edouard Baird, où que tu sois pour ceux qui ont la référence. Il n'y a pas de mauvaise caméra à l'heure actuelle. Il n'y en a pas de mauvaise qui sortent, en fait. Voilà. Il y a les caméras avec des défauts, d'autres qui ont des défauts aussi. Et puis, ils ont tout suffisamment de qualité pour que tu te dises, si tu pars avec une, il y a peu de chances que tu le regrettes à l'heure actuelle. Sauf si tu destines par exemple de prendre celle-ci pour faire du documentaire mouvementé dans les Galapagos, filmer des cascades et prendre des raftings et tout. Donc, n'en prends pas elle, mais voilà. De manière, si tu fais de la conférence, ne prends pas du R5 pour faire de la 8K. Voilà, enfin, il y a deux, trois petites restrictions, mais de manière générale, franchement, ça dépend de ton utilisation. J'ai tourné avec la Red Helium par le passé, dit Gandulf. Pensez-vous que la Red Komodo peut faire aussi bien le taf pour un master 4K? Oui, bien sûr. Oui, après la Red. Alors la Red Helium, c'est une bonne petite caméra. La Red Helium, c'est une caméra 8K, capteur Super 35. C'est une des caméras de pointe de chez Red. Toujours bien vendue et toujours utilisée. On lui reproche souvent un truc, c'est la taille de son capteur, qui fait qu'elle est principalement exploitable uniquement en 8K. Savoir que Red, dès qu'on veut commencer à faire un petit peu de vitesse, il faut réduire dans la taille du capteur. Et donc du coup, quand on part d'un capteur très large, par exemple le Vista Vision, la Monstro, et qu'on veut faire un petit peu de vitesse et qu'on croppe un peu dans le capteur, c'est pas très grave, on se retrouve toujours avec des tailles de capteurs qui sont correctes. Ce qui n'est pas forcément le cas de la Helium. Par contre, la Helium tourne en 8K sur du Super 35, ce qui peut aussi par moment être plutôt intéressant. Mais généralement, voilà, la Helium, on l'utilise pour du 25 et en 8K. Et puis si tu veux tourner en 4K, même sans faire de vitesse, simplement parce que le 8K c'est trop lourd, bah en fait tu vas cropper dans ton capteur, Donc, oui, je pense que ça peut faire le taf, il n'y a pas de problème. On est sur de la bonne qualité et de la bonne cam. Je donne beaucoup. Une caméra sympa pour le ProRes 4K en log IPP2, oui, voilà, très bien. Voilà. Alors, on va pas parler tout de suite de ce qu'est l'IPP2. Et oui, non, si, tout à fait. C'est une chouette option pour ce pipeline. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, les développeurs pour ça, depuis les DSMC2, tout Red se réfléchit en IPP2. Ok, alors, apparemment, il y a des rencontres entre Guillaume et Enzo. Alors, prix à la loc à la journée. Le prix n'est pas encore établi. Je ne saurais pas te dire. Il va falloir qu'on voit ce que ça va coûter de l'équiper, les médias, les batteries, les options. On est parti sur différentes
configurations, notamment, je pense, une petite cage, tiltas, small rig, 8-scene, wooden, on ne sait pas encore, de l'écran, vraisemblablement mettre un écran avec, à voir, le nombre de médias aussi qu'on mettra avec. Donc voilà, tout ça, ça va faire fluctuer un petit peu le prix, et puis tout simplement aussi bêtement la demande, quoi. Si on met la caméra à 40 balles, elle sortira tout le temps. Elle s'abîmait très vite et c'est un peu dommage. Et donc du coup, on va la mettre un petit peu plus cher. C'est vraiment un et puis voilà, je pense qu'on va de toute manière faire avec la même philosophie que pour nos autres équipements. On ne sera pas trop cher. On essaiera de trouver un bon ratio entre ce que ça nous coûte, toute la gestion de la caméra, la préparation, l'entretien, l'achat. Voilà, on fera un truc. Donc, depuis qu'on s'est agrandi et tout ça, on a beaucoup de frais. Voilà, essayer d'être le plus compétitif possible de toute manière, vous savez bien. Baptiste, Hello Clovis, j'adore la chaîne, merci pour tout ce que tu fais. Merci. Tu parles de ce week-end, tu es monté un meuble Ikea, je sais pas si tu adores. Meuble Ikea, mais voilà, merci en tout cas si tu as une idée des premières dates de livraison des Komodo. Non, pas du tout Adelin, et je crois que Red non plus n'en a absolument aucune idée. Je te conseille, en plus tu les connais, de te renseigner vers TRM. Et je crois pas qu'ils aient beaucoup d'infos pour le moment à communiquer. Mais en tout cas, si jamais ça doit arriver en France, ça passera par eux. Et je pense pas que ça aille plus vite de les commander forcément en ligne sur le site de Red ou autre. Les connectiques, on a vu, les connectiques, c'est du SDI uniquement en sortie. Après, il y a une entrée d'Alim et une entrée pour le contrôle de la caméra en extérieur. Ok. Ah, le LQ, environ 1h30 sur 500 Go. Le LQ. Donc, ça s'envisagerait dans une config régie. Ouais, sur une. Ouais. La caméra que je choisirais pour la régie, je prendrais une caméra avec des XLR peut-être. Avec un vrai écran déjà tout mis, je sais pas, avec la possibilité. Alors, normalement, je sais pas si t'as un testé dedans, mais probablement via le rec, peut-être. Pourquoi pas. En fait, n'importe quel cas, en config régie, mais c'est pas la caméra qui est vraiment développée pour la config régie, mon ami Baptiste. Ok, je vous propose un truc rapidement parce que c'est pas tout ça, mais il me reste encore 10 minutes pour manger et pour finir la vidéo, parce qu'après, évidemment, il y a déjà du monde qui commence à s'attrouper devant. Donc, je vous propose un truc rapidement. Entre nous, de vous à moi, de moi à vous. Vous me dites simplement, Ronin-S, Ukraine. Voilà. Vous me dites, l'un ou l'autre, dans 40 secondes, j'arrête les votes. Je me contente la caméra de mon écran et puis on va se faire un petit kiff. On va monter la caméra sur un stabilisateur. Parce que c'est aussi le vrai intérêt de cette caméra de RED, c'est d'avoir une caméra RED qui monte sur des toutes petites solutions. Alors désolé, je tape un petit peu sur le meuble et donc du coup, ça va peut-être saturer, je suis navré. Vous me dites, l'un ou l'autre, l'autre ou l'un, peu importe. À poser ça et que ça fasse trop de bruit. Ah, perdu. Donc pour mémo, on a le 18-35 sur la caméra et on va utiliser donc deux batteries Canon derrière pour l'alimenter. Alors, Ronin S, Crane, Crane, Crane. Ronin S, Ronin S, Crane, Ronin S, Ronin S, Crane, Ronin S, Ronin, Ronin, Crane, Crane, Ronin. Oh putain, elle est mec, je crois que. Match nul quoi. Tu as déjà une Alexa 65 entre les mains. C'est très 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 gros et je n'ai pas eu ça entre les mains, mais j'ai eu d'autres trucs un peu gros entre les mains. Voilà. Non mais tu me tends une perche. Non, j'ai pas utilisé l'Arri 65 du tout. Voilà. Enfin autrement que sur des salons quoi. Mais je, non, j'ai pas. C'est pas du tout le genre de caméra qui m'attire, même si je trouve que c'est une belle cam, mais pour une utilisation qui n'est pas du tout la mienne. Voilà. C'est comme demander à quelqu'un qui est garagiste s'il a déjà conduit une F1. Voilà. Il dira ouais, non, mais j'aimerais bien, mais c'est pas. Quoique, il te dira sûrement oui, j'ai envie de la conduire. Mais bon, bref, mauvais exemple. Allez, on passe. Donc, alors, Ronin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
13, et l'autre train, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, et eh bien très bien, ce sera Ronin, je remets ça dans ma culotte, il va sur le Ronin, en même temps c'est probablement le setup qui est le plus vendu pour le moment, si franchement le Crane 3 et le Crane Lab, bien vendu, enfin le Crane 3, le Crane 3S, 3 Lab et le Crane 3S. Bon allez, on y va. On va mettre ça rapidement dessus, bim bam bo, et on va voir avec quelle vitesse et dextérité un homme entraîné est capable de pouvoir équilibrer cette caméra sur un Ronin. Un montage sur la Komodo tourné en ProRes 4K log IPP2. Oui, franchement, c'est pas con. C'est pas con du tout. Alors, ah ouais, d'accord. Non, mais là, on a un problème, les amis. Ok. Eh ben, écoute, c'est un échec. On va pas pouvoir, tout simplement parce que il faudra que je change d'objectif. Celui-là est trop. Et trop lourd, et donc du coup je peux pas reculer suffisamment la caméra, j'ai pas assez de poids derrière, et en mettant des ouais, en reculant la caméra, les batteries viennent taper à l'arrière du Ronin, et donc du coup je peux pas le reculer plus, et j'ai trop de poids à l'avant, donc du coup je ne sais pas. Alors, il faudra que je mette des contrepoids peut-être pour contrebalancer ça. Donc on va partir sur un système beaucoup plus léger. Il est trop bien, il est trop cool. Ok, alors je vous mets l'autre caméra. T'es prêt? Attention, je te mets à l'antenne, Pierre. 1, 2. Cool. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. Promis, on a vraiment que 3 minutes et demie. Waouh, ça va être tendu du string. Ok, premier équilibrage. La caméra est en haut. En haut, oh, oh, cacao. Chaud, 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 chocolat. Allez. Super. Tac. Ah, je peux pas revenir. Putain, je peux pas revenir. Je peux pas. Je ne peux pas revenir. Elle m'a chassé de son lit. Je suis venu avec un fusil. Elle est vraiment méchante. Chanson que j'ai inventée. J'espère que vous allez pas me la voler. Regarde, dès que le live est fini, je la dépose à la SACEM. Waouh. Ok, là, on est bien, on est vraiment très très bien, parce qu'il fait beau, il fait chaud. Hop. Bon, en tout cas, c'est carrément possible de l'équilibrer. Là, franchement, il n'y a aucun problème pour équilibrer ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Wouh. D'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je refasse une vidéo pour l'équilibrage des... l'équilibrage des caméras sur des Ronin. On avait sorti une bonne petite vidéo il y a quelques temps là-dessus. Cool. Pas très bien. Honnêtement, c'est vraiment pas très lourd. Je pense que les deux batteries ici tuent un peu les bras et peut-être avoir des batteries un peu plus légères serait plus agréable. Mais franchement, ça le fait grave. Vraiment, ça le fait grave. Pas de souci. Alors après, vous avez vu que j'ai pas pu mettre un 18-35. C'était beaucoup trop lourd à l'avant. Donc, exit le 18-35. Et là, j'ai mis un pauvre petit 50 tout rachitique devant, qui est une optique très 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 légère. Donc, ça mériterait de pouvoir le tester avec d'autres optiques. Voilà, un tout petit peu plus lourd. Donc, quelle optique ciné, ce sera mort, parce qu'on pourra pas reculer suffisamment, à moins de retirer les deux batteries ici et d'alimenter en externe. Ce qui est pas forcément le plus... Retire le NATO pour commencer. Non, je la fais à l'américaine. De toute manière. Ronin en carbone bientôt. Ronin des bois. Bon, ok, je vous laisse avec vos blagues. Et comme elle est équilibrée à 1 minute 30, vous savez quoi? Je vais faire plaisir aux deux clans. Et on va partir également sur un petit test avec, avec le clan. Tac, tac, tac. Le NATO, ça joue pas du tout. Hein. C'est vraiment... vraiment quasiment pas. Alors, la caméra, normalement,
est disponible dès à présent. Il se peut, ce soit très fortement possible, qu'elle parte pour faire des petits tests durant le courant de la semaine. Par contre, elle va être présente. Donc, si vous voulez passer la voir, la manipuler et tout, vous êtes les bienvenus si vous êtes dans le coin. N'hésitez pas. Éventuellement, passer un petit coup de tel avant ou un petit mail juste pour être sûr qu'on est bien ça, quoi, tu vois, parce que si vous venez qu'elle est partie, sachant qu'on a beaucoup de personnes déjà qui nous ont demandé si vous pouvez la louer. Et j'ai vu déjà mon ami Emmanuel Lacari, voir si il n'avait pas déjà. Ah, saloperie! Emmanuel Lacari a déjà peut-être il était intéressé déjà pour la prendre dès à présent, maintenant tout de suite. Mais voilà, faites bien attention. Putain, je vais pas pouvoir l'équilibrer avec cette semelle. Il faudrait une semelle longue. Non, je dis ça à haute voix pour que des gens réagissent. Julien ou Julien. Oh. Je disais, ça vous intéresse pas ce que je dis au fond? Est-ce que... Ah non, c'est bon, non, j'allais vous demander une semelle longue. Est-ce que tu as eu l'info, toi, Julien, d'ailleurs, sur le LQ? Ça correspondait à du combien? T'as juste que des minutes, ouais. Bon, là, c'est un autre problème que j'ai. C'est qu'il faudra que je déplace la semelle, mais malheureusement, je peux pas la déplacer parce que j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs, donc je vais mettre le 18-35. Voilà. Ok. Allez, on y va. Et là, j'ai trop de poids devant, punaise. Il faudrait une optique entre les deux. Est-ce que tu voudrais prendre un petit prime Canon? Tu voulais prendre quoi? Un 14 prime premium un Canon? Ouais. Bah vas-y, ouais, go. Un 14? C'est le 14? Ok, allez. Non, mais moi, si je peux faire plaisir. Si je peux faire plaisir, moi, il n'y a pas de problème. Ok. Ça dit quoi? Waouh, génial. Ok, super. Extra. C'est extra. Alors, idéalement, franchement, je vous conseille plutôt de le prendre avec le Crane 3S. Franchement, ce sera beaucoup mieux. Parce que vous aurez beaucoup plus de dégagement derrière. Ou alors, sinon, il vous faudra utiliser des contrepoids. Et voilà, je ne vous le conseille pas. Voilà, très bien. Allez, là, on est équilibré. Il me faudrait 3 batteries. 3 batteries de Crane. Vitesse éclair. Vraiment, il va falloir qu'on se quitte après, les amis. Est-ce que vous avez des questions rapidement à me poser? Est-ce que vous voulez que je fasse rapidement quelque chose? Je sais jongler. Je sais faire pipi debout. Dites-moi. Qui c'est qui applaudit? Les gens sont... Non, alors, on va se calmer. C'est une boutade. J'ai essayé une fois. Il vient de tremper après. Donc, on va faire ça. Dites-moi. À 12 pour 1. Ok, via le site de Red. Ok, vas-y, allume-toi. Ouais, trop bien. Oh, putain, qu'est-ce que je préfère ce stabilisateur, vraiment. Ah, ça tape un petit peu en haut. Donc, du coup, il va falloir des batteries plus petites. Mais oh là là, si on me demande un jour, je vous dirais vraiment, je préfère le Crane au Renan. En termes d'ergonomie, de prise en main et tout, je sauf que là, ça tape. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, les deux fonctionnent. Je pense qu'il n'y a aucun problème pour faire fonctionner ça, vraiment. Il n'y a aucun souci. Avec l'un ou avec l'autre, peu importe. Des questions rapidement? Quelle rapidité d'exécution! Mais oui, c'est ce que m'a dit ma femme chaque fois. Tac, tac, tac. Voilà. C'est rare le combo Red Ronin S. Ouais, bah en fait, c'était rare pour le moment. En fait, Ultra Tornado, c'était rare pour le moment parce que c'était pas Red. Et tu peux arriver à l'équilibrer, mais règle à tourner avec. Non, ça fait un dégageur. C'est vraiment, c'est pas fait pour. Vraiment, c'est trop lourd, vraiment, c'est très lourd. Mais je pense que Karim, s'il est toujours dans le coin, il pourra te le dire. C'est lourd et c'est pas pratique. T'as quasiment pas de marge de dégagement pour pouvoir l'équilibrer, faire tes mouvements et tout. Donc c'est pas le plus ouf. Même avec le Crane 3S, voilà, on avait testé ça durant le Covid avec lui. Clovis, qu'est-ce que tu penses des objectifs Xin? Alors, les objectifs Xin, je pense que c'est pas mal. Je pense pas que ce soit de
bons objectifs, je pense que c'est pas mal. Il y a chez Xin l'avantage du fait que ce soit pas cher. Et voilà, et c'est des objectifs qui racontent quelque chose, qui vivent un petit peu, quoi, tu vois. Ils vont te donner quelque chose. Ils sont pas parfaits, ils sont pas bien corrigés, tu as un petit peu de flair, tu as des aberrations chromatiques, notamment en pleine ouverture. Ça te donne une image qui est, je dirais pas cheap, mais qui est plus douce que ce qu'on pourrait s'attendre pour des optiques qui ont cette taille-là. Donc, moi, je pense que c'est pas une mauvaise série, notamment parce que ça a du caractère. Voilà, simplement. Et à l'opposé, les optiques qui n'ont pas de caractère, qui sont parfaitement retravaillées, propres, carrées et tout, moi, c'est des optiques qui me parlent pas. Et je pense que quand on parle du domaine de l'optique, on pourra revenir un jour, on fera un live probablement au niveau des optiques, parce que je suis un passionné de cailloux, donc on pourra en reparler, mais je pense qu'en termes d'optique, il n'y a pas de mauvaises optiques. Voilà. Il y a des optiques qui ont des effets, des optiques qui n'ont pas d'effets. Elles parlent toutes d'une certaine manière, racontent quelque chose. Et je pense qu'il y a davantage de différence entre deux optiques qu'entre deux capteurs, surtout de nos jours. Donc, le choix des cailloux est important. Et ce n'est pas parce qu'un caillou a des défauts que forcément, il est nul, au contraire. Au contraire, des défauts très, très jolis. Quand on l'exploite, ça peut être des défauts justement qui mettent en valeur toute ton image. Donc, je ne pense pas que ce soit une mauvaise série. D'autant que là, il sort les Xin CF en carbone. Ils sont plus propres, que j'ai pu tester. Plus propres, un peu plus contraste également. Donc, il y a moins d'aberrations, notamment en grande ouverture. Et ils sont très piqués. Et ils se rapprochent vraiment de ce que faisait Zeiss au début des années 2000, entre 2000 et 2010. Quand ils sont arrivés avec leur série ZF Z2, 2007-2006, où on avait des trucs qui étaient très propres, mais qui faisaient d'aberrations en pleine ouverture. Et ben là, avec les Xin CF, on a un truc très propre et pas d'aberrations en pleine ouverture. Ça veut pas dire que c'est ce que je préfère, mais ça va être intéressant. Elles sortent là, elles sont pas très chères, et je me rends compte que je parle beaucoup, je me parlais pendant des heures, elles sont pas très chères ces optiques Xin CF, et ça veut dire que du coup, les anciennes Xin, c'est-à-dire les noires avec le ray rouge, le trait rouge, vont se retrouver sur le marché avec des bonnes affaires à faire. Vraiment. Donc voilà, les Xin, je pense pas que c'est une mauvaise option du tout. D'ailleurs, juste en termes d'image, Sigma Ciné ou Xin, ça dépend, vraiment. Sigma Ciné, c'est une optique. En fait, Sigma Ciné, il y a deux gammes chez les Sigma Ciné. Donc, Sigma Ciné, c'est les cailloux qui proviennent de la gamme photo chez les Art. Donc, en photo, le truc de Sigma, enfin, je comprends pas. Et après, j'arrête avec les optiques promis. Mais le truc de Sigma avant le ciné, c'est de se dire, on fait un truc le plus propre possible. Voilà. Tiens, pourquoi je peux m'adresser à toi? Depuis tout à l'heure, vous me regardez par là, je m'adresse ici. Donc le truc le plus, oui, comme ça tu peux te reposer un peu. Pierre, t'as mal au dos, je pense. Ça va? Qu'est-ce qu'il est fort. Il venait d'avoir 18 ans. Et donc, les Sigma Ciné, il y en a deux chez les Sigma Ciné. Donc ça vient de la gamme Art Photo. Et en photo, on est plus intéressé par une optique qui est parfaite, notamment quand on utilise plusieurs dizaines de millions de pixels, et ben on veut l'optique la plus parfaite, genre tu vois 20, 30, 50 millions de pixels, on veut l'optique vraiment très cool. Donc très peu d'aberrations, très peu de déformations, du contraste et très peu de flair, voilà, très maîtrisé en tout cas les flairs. Donc c'est ce qu'a produit Sigma et c'était super, tout le monde dit les optiques sont géniales, et effectivement elles sont top. Ensuite ils ont pris les mêmes verres, ils ont dit bon, on va les carrosser ciné, du coup ils ont carrossé ciné, très bien. Le prix de la série 22 000, merci, au revoir, bonjour. Le prix de la série Xin, dans les 7 ou 8 000, c'est pas trop la même chose. Mais du coup, tu te retrouves avec les Sigma Ciné. Et Sigma Ciné, on leur a dit, et moi le premier, dès qu'ils ont sorti, j'ai dit, les mecs, c'est cool, mais par contre, ils sont trop propres aux optiques, ils ont des optiques un peu plus sales, qui vivent, qui racontent des trucs un peu. Et donc, du coup, ils ont repris exactement la même formule optique que les Sigma Ciné, mais ils ont viré une bonne partie des traitements. Ils ont fait 500 séries. De la série du 14 jusqu'au 135. Indissociable, à 40 000 la série. Indissociable. Du coup, c'est un peu cher. Mais par contre, c'est des optiques qui vivent énormément. Dès que tu mets la moindre lumière à l'intérieur, t'as de la vie, quoi. C'est un truc incroyable. T'as des flares dans tous les sens. C'est beau, c'est organique, c'est brillant, ça donne de la profondeur et tout. Mais tu peux pas l'utiliser pour tout, mais c'est très joli. Donc maintenant, ce qui me demande si je veux comparer des Xin avec des Sigma, j'ai envie de dire, les Sigma, ça dépend desquels. Je n'utiliserai pas les deux dans le même truc et j'utiliserai pas non plus les Sigma dans le même but. Il faut voilà, chaque optique a sa propre application. Et on en reparlera quand on parlera d'optique. Vraiment, les optiques, c'est ouf. Pipi debout en jonglant. Je peux jongler avec mon pipi. C'est très rare. Je suis le seul au monde à pouvoir le faire. Avec des commodos. Avec mon pipi.
Le crâne, c'est la vie. Merci Clovis et bon après-midi. Salut Photodrone. J'espère que vous avez bien mangé tous ensemble. J'ai faim. J'espère qu'il y en a. Il y en a parmi vous là qui ont mangé pendant qu'on faisait le live. Si oui, qu'est-ce que vous avez mangé? Donnez-moi des idées de trucs à manger pour moi ce midi là. Crâne supérieur au renin, pour moi, oui, en tout cas. Guillaume, niveau autonomie, batterie, ça dure combien de temps? Pas fait de test encore du tout. Donc je vais pouvoir revenir vers toi pour te dire. Mais la chose est sûre, c'est que donc on a deux batteries. D'ailleurs, je pourrais peut-être le calculer, mais pas de tête. On a deux batteries ici et deux batteries en 7,4 volts. Et nous, on va transformer tout ça, je pense, en monture. En monture Veloc et après proposer différentes tailles de batteries pour aller avec, que ce soit des 150 watts comme celle-ci. Petite, hein, on va pas prendre des gros trucs, ou alors des 50 watts comme celle-là. Et en fonction, on fera des tests, évidemment, on le fait à chaque fois, de manière à avoir une bonne approximation de combien de temps dure une batterie. Et puis, faisant sûr, vous en serez le premier averti. Voilà. 3 heures avec deux batteries en moyenne. Mais c'est génial, les gens. Mais si vous commencez à vous répondre les uns les autres, mais moi j'ai que à vous lire et à vous écouter, et on est tous en love. Tu n'aimes pas les films machinés, du coup c'est trop clean. Ouais, c'est ça. Je suis pas un grand fan des films machinés parce qu'ils sont trop clean. Ça veut pas dire que j'utiliserai jamais, ça veut dire que c'est pas l'optique naturellement vers laquelle je vais me tourner tout de suite. C'est sûr que pour des choses très clean, par exemple, tiens, un truc tout bête. On a avec le site, le forum, le repère, on a développé, enfin bon, ils ont développé, pardon, une test box qui permet de pouvoir vérifier des optiques, mais surtout des capteurs. Et il y a tout un tas de tests, et je pense que la Komodo passera à la moulinette de toute manière, qui permettent de pouvoir avoir vraiment des données techniques en dehors de ce que nous bullshit les constructeurs, nous avoir des données techniques très très propres. Mais pour ça, il faut qu'on ait des optiques les plus clean possibles, qui vont altérer le moins possible le capteur, et du coup, naturellement, le repère s'est tourné. On a réfléchi à tout ça, il y a quelques options, mais finalement, ils ont choisi les Sigma, voilà, Sigma Art, parce que les optiques les moins, dans leur gamme de prix, en tout cas, qui étaient les plus clean, et elles sont vraiment très très clean, et surtout, autre avantage, c'est qu'elles couvrent le full frame. Donc, après, ça réduit aussi pas mal les choix. Voilà. Du coup, je les utiliserai pas pour tous ces optiques, mais ça veut pas dire que je les aime pas. Il y a pas d'optique que j'aime pas, mais il y a des optiques pour lesquelles j'ai pas d'appétence. Intéressant pour l'exim carbone. Pourrais faire une vidéo sur le Shogun 7 en multicam. Merci. Oui, pourquoi pas à l'occasion. Ouais, à l'occasion, pourquoi pas. Batterie BP975. Ouais, bah voilà, c'est deux batteries BP75. C'est ça que tu disais, Valentin. 3 heures avec deux batteries. Recrutez-vous des alternants ou des stagiaires? Oui, des stagiaires, mais pas d'alternants. J'ai mangé du saumon au citron avec des pommes de terre maison. Va bien te faire cuire le cul. Avec un petit vin. Ok, va bien faire. Ok, très bien. Petite salade et un café. Super. Une belle côte de bœuf des familles. Arrête! Ok, c'est bon. Je regrette déjà d'avoir posé la question. Merci pour avoir répondu à nos questions. Avec Andoul, on a pris le contrôle de live, c'est ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, les amis. Il y avait d'autres trucs peut-être qu'on aurait pu tester, d'autres accessoirisations, etc. Ça viendra probablement dans une prochaine vidéo. On essaiera, si on a le temps, vraiment, si on a le temps, on essaiera vraiment de faire une vidéo qui explique comment utiliser un petit peu plus la caméra une fois qu'on aura pu mettre nos grosse main graisseuse dessus, voilà. Et puis peut-être qu'on va trouver une série d'objectifs blancs pour aller avec. Bon, ça a l'air d'être la mode des objectifs blancs. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vérifie. Ah, bah, attends, mais c'est bon. T'as l'info sur le S2? Ah, sur le Ronin S2. Oui. Alors le truc, c'est que sur le Ronin S2, t'as le. Non, mais 14h12. Non, je suis désolé. Du coup, je pourrais pas en parler maintenant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, encore une fois, merci de nous avoir suivis, même si la qualité du son, encore une fois, je suis désolé, je m'en excuse, n'est pas au niveau de ce qu'on fait d'habitude. Ce sera pas le cas la prochaine fois, parce que je suis sûr que la prochaine fois, là, vous entendez les casiers qui sont en train de s'ouvrir. Julien, tiens, filme un petit peu Julien et dans l'univers de ces casiers. Voilà, on a des casiers ici, on met la dernière touche pour qu'ils soient dispo, toutes les bêta tests et tout pour qu'ils soient disponibles 7 sur 4, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout ça. Et on a fait nos bêta, ça marche. Donc probablement dans quelques jours, vous pourrez utiliser ces casiers 7 sur 7, H24. Vous aurez accès pour pouvoir déposer et prendre le matériel ici chez vous. Voilà, très bien. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et tout. Alors normalement, je sais que dans mes vidéos, je fais la téléportation. Là, je fais...
Allez, ciao. Cool. Alors, on va commencer le commando.